Je suis, je m'appelle. I'm, my name is. Ouais. Même tu parles de loin, je dis, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit? Je m'appelle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Je m'appelle, je suis. On est la compagnie de production, mais on est aussi la plateforme technologique. On a développé une version d'une caméra 360 degrés 3D pour faire du stop motion. Donc, non seulement c'est une caméra qui capture du stop motion, mais elle permet aussi d'ajuster l'échelle de capture. Donc, les marionnettes qui sont en fait à peu près de cette grandeur ont l'air d'être life-size ou de grandeur réelle quand tu es dans l'expérience de réalité virtuelle. Il y avait aussi un peu un genre de saut dans le vide à faire, à savoir si on allait réussir à créer cette espèce de connexion émotionnelle avec un environnement qui est fabriqué, avec un personnage qui n'est pas un humain, mais qui est un personnage qui est créé. Puis ça a été une belle découverte parce que ça marche extrêmement bien. C'est vraiment une réalisation de Chris Imacek. Nous, on est vraiment là pour encadrer d'un point de vue vraiment réalité virtuelle au point de vue technologique, vraiment faciliter leur tâche le plus possible, que ce soit le plus similaire à ce qu'ils sont habitués à faire. Avec des gens comme Chris Imacek, l'avantage qu'on a, c'est qu'ils ont un univers qui est tellement singulier, qui est tellement propre à eux. C'est une voix qui est absolument unique à l'échelle internationale. Donc, quand tu travailles avec des gens comme ça, tu essaies de faire en sorte que cette essence-là soit préservée du début à la fin.